Des manifestants anti-monarchie se sont rassemblés mercredi à Édimbourg, en Écosse, alors que le roi recevait son deuxième couronnement et l'une des militants cesse d'exprimer. Un militant furieux a accusé le roi Charles d'être raciste, lors d'une diatribe enflammée. Les manifestants anti-monarchie étaient en force mercredi lors d'une manifestation alors que le roi assistait à son couronnement écossais. Les manifestants ont tenu de grandes pancartes indiquant « Abolissez la monarchie et pas mon roi » alors que les processions se frayaient un chemin dans les rues des accents aigus d'Édimbourg. Riposnet faisait partie de ceux qui faisaient campagne et a ensuite été arrêté, rapporte GB, et elle a expliqué pourquoi il fait campagne pour une république. Apparaissant sur Dan Wotton ce soir, Madame Posnet s'est lancée dans une diatribe furieuse où elle a accusé la monarchie de racisme. Elle a été forcée de s'excuser après avoir qualifié la Grande-Bretagne de « risée » et de « pathétique ». Madame Posnet a déclaré « Nous avons de meilleures sources de fierté et je pense personnellement qu'une institution basée sur le racisme et l'impérialisme n'est pas une source de fierté ». L'hôte invité Marc Dolan a riposté en demandant « Quel racisme ?» Madame Posnet a répondu « Cette institution de la monarchie n'est pas une bonne source de fierté et il y a beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui ne peuvent pas se détacher de l'histoire parce qu'ils en souffrent encore. » Elle a ajouté « Charles ne fait pas un bon travail pour nous représenter ».